Le FDD, Force pour la démocratie et le développement, tient ici son conseil national, instant de prise de décision liée à la paix, la solidarité nationale et surtout la réussite du programme d'action du gouvernement du nouveau départ. Plusieurs formations politiques amies étaient représentées à ces assises. Les militants du PRD ont lu dans votre démarche une grandeur d'âme qui nous honore et dénote votre maturité politique parce que provoquant du fait le rapprochement des deux formations politiques autour d'un idéal commun, le Bénin et son développement économique et social. Je pense que le moment est venu pour que nous nous regardions pour inculquer des valeurs républicaines à nos militants. Benoît Degla, président du FDD, face à ses militants. Au niveau de notre parti, nous pensons que les réformes contenues dans le projet de révision de la Constitution étaient nécessaires et le demeurent. Jamais. Nous ne devrions perdre de vue que les attentes et préoccupations du peuple. Nous sommes convaincus que ce Conseil national permettra à notre base de se maintenir en éveil et de se mobiliser pour le combat noble de faire de la démocratie un levier de développement pour notre pays. Un communiqué final a sanctionné le Conseil national. Le FDD soutient les actions du président Patrice Talon. Tenant compte des préoccupations majeures de nos populations, le Conseil a décidé et proclame solennellement ici présent son appartenance totale à la mouvance présidentielle et son soutien sans faille au président Patrice Talon. Le Conseil a instruit diligemment le président du parti à entrer en négociation avec toutes les forces politiques partageant la même vision que la FDD en vue de construire ensemble notre pays commun, le Bénin. Le président Benoît Degla a été réélu par acclamation pour un nouveau mandat à la tête du bureau exécutif national.